Hello les amis, comment ça va aujourd'hui? Donc ça fait super longtemps qu'on s'est pas retrouvé sur YouTube, donc je suis super contente de vous retrouver. On va pas faire des vidéos chaque semaine comme avant parce que je vous l'ai dit pour celui qui me suit sur Instagram. Malheureusement, je ne suis plus trop présente parce que j'ai un travail en fait. Bref, une nouvelle vidéo avec une invitée surprise. Je vous ai dit sur Instagram, celui qui me suit, que du coup, j'ai une recrue qui m'a rejoint sur l'île, sur le petit caillou. D'ailleurs, je tiens à préciser pour tout le restant de ma famille, c'est quand vous voulez. Elle sera sur le plateau parmi nous, là, maintenant, de suite. Non mais c'est bon, hein. Voilà. Donc, du coup, je vous présente ma grande sœur. Non, ça faisait quand même 5 mois et demi qu'on s'était pas vu. C'est beaucoup. Voilà, même si on s'appelait une fois tous les deux jours. Bon, mettez en commentaire si vous pensez que c'est ma grande sœur ou ma mère. Voilà. On vous dira tout à la fin. Voilà, suspense jusqu'à la fin. J'ai l'impression d'être un présentateur. Du coup, donc attends, je regarde ma petite feuille. J'espère que je peux pas mettre ça comme ça. Nous sommes en plein été. Voilà, donc je ne vous dis pas son prénom parce que c'est anonyme, donc je l'appellerai BL. Nous sommes en plein été là en ce moment pendant que vous caillez les miches. Il fait chaud, regarde. Débardeur, t-shirt, voilà. Et toi, gros pull, gros blouson. Voilà, t'as qu'à venir par ici. Donc déjà, est-ce que t'as payé cher déjà pour venir? 850 l'aller-retour. 850 l'aller-retour avec une promo? Non, sans promo, j'ai pris juste 6 mois avant. Donc 6 mois avant avec Air France. Air France. Donc ça vaut le coup. Ouais. 15 heures. 2 heures d'escale. 2 heures d'escale et ça t'a fait chier. Clairement. Non, c'était agréable parce que je me suis dit je vais venir, ça va être génial. Ah oui, non mais en soi. En soi, putain c'était chiant. Vous voulez dormir Vous pouvez pendant pas. Les 11 heures, c'est pas possible. Flores insomniac. Bah, y en a qui sont courageux, qui vont faire l'aller et le retour. Donc, je conseille de venir, pas pour 10 jours, minimum 3 semaines si vous pouvez. Donc, voilà, tout le monde n'a pas la possibilité de venir 3 semaines. Mais, ouais, oui. Mais en plus, l'Airbnb ou l'hôtel. Donc, il faut compter 2000 euros. 4 jours à Disney, c'est pareil, c'est l'équivalent. Plus toutes les activités, plus toutes les courses, etc. Il faut compter 3000 boules. Voilà. Donc, du coup, dans cette vidéo, nous allons faire un circuit touristique. Donc, les 20 points incontournables à faire sur l'île de la Réunion. Et encore, on n'aura pas tout fait. Et on va aussi donner des points qu'il faudra faire si vous avez le temps. Et si vous préférez, évidemment aussi. Mais qu'on n'aura pas fait. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le temps. C'est ça. Donc, du coup, marché de Saint-Paul. Direct, on arrive dans les embouteillages, on n'arrive pas à se garer, c'est la merde. C'est beau ou pas? Oui, c'est vrai. C'était la merde, grave. C'était la merde, mais on a trouvé une place. Ça a aimé? Superbe. Ouais? Magnifique. Genre mieux des fruits. Non mais attends, mieux t'as libé ou pas? Ah, rien à voir. Ah, rien à voir. Ouais. Déjà, t'as pas des fraises à 9,90€ le kilo qui ressemblent à rien et qui puent en plus. Et que si tu mets pas 3 tonnes de sucre dessus, eh ben ça a pas de goût. Excellent. Des ananas tout petits et. Victoria. Super beau, non? Et on n'a pas goûté le bisap. Je sais pas ce que c'est. C'est l'hibiscus. Ah, bon. Mais c'est con. Putain, avant de partir, faut que tu goûtes le bisap. Hein. Mmh. C'est obligé. Hein. Mmh. C'est mort en fait. D'accord. Ah ouais. Ok, deuxième coin incontournable sur l'ouest, le bassin des Aigrettes. Soit dit en passant, les trois bassins. Ravine la Plaine. Attends. Ravine Saint-Gilles. Tour des Roches. Les trois bassins. Bim. 6. Donc, toujours avoir un truc dessus. Bassin Malheur. Bassin des Aigrettes. Bassin Cormoran. Donc, on n'a pas fait les. On n'a fait que le bassin des Aigrettes. Donc, bassin des Aigrettes, c'est facile. C'est interdit. Mais on y va quand même. Ensuite, tu
dois passer par un canal où tu dois te tremper les pieds. Donc faites attention, si vous êtes avec un porte-bébé, avec un bébé ou un chien, c'est un peu compliqué parce que tu as à peu près ça pour passer. Voilà. Sinon, tu te trempes dans l'eau qui est absolument gelée. Oh là là! Il faut passer par en haut alors. Ah tu vois, il faut traverser, tu vois. Elle est super super fun. Lucky elle a pas besoin d'aller dans l'eau. Elle est trop froide ou pas? Trop froide. Oh mon dieu, j'ai pas envie d'y aller moi non plus. Oh non, c'était pas gelé. Gelé. Mais tu rigoles ou quoi? T'avais super froid. Ah, je me souviens plus. Mais si, quand le chien il est tombé oui, dans c'est l'eau. Vrai. Ensuite, t'as une magnifique cascade à voir absolument. Taper un trip et d'aller directement sur la cascade, tu fais. Moi, je l'ai pas fait parce que d'une, c'est la saison des pluies, donc l'après-midi à Saint-Gilles, il fait toujours moche, donc il pleut pas, mais il fait moche. De temps en temps, il pleut. Le matin, il fait très beau et l'après-midi, il fait moche. C'est comme ça, c'est la saison des pluies. Ça s'appelle l'été à la Réunion. Et elle est absolument gelée. Voilà. Mais bon, c'est à voir. Franchement, elle est magnifique, cette cascade. Super. Et c'est à deux pas de la maison. Mmh. Encore une fois, 5 minutes à pied, 30 minutes. Non, 5 minutes en voiture, 30 minutes à pied. Pourquoi? Donc, troisième point, nous sommes allés... Ah oui, toi, t'es allée. Moi, je suis allée. T'es allée où? À Sillaos. Roche vert bouteille. Pourquoi? Parce que les montagnes sont... Magnifique. Vert bouteille. Ah, c'est parce qu'elles sont vert bouteille. C'était vert bouteille ou quoi? Ouais, c'est vrai. C'était tout vert. C'était tout vert. Bouteille. C'est ça. Ah, voilà. Oui. Voilà. Donc du coup, je ne sais pas, je ne peux rien dire. Et on a vu, on avait la vue sur Mafate. Vertigineux. Donc bref, c'est un truc à faire quoi. Mmh. Évidemment, le coucher de soleil qui est quelque chose à faire absolument en tout point à La Réunion, n'importe où, même si c'est le même soleil, tous les soirs c'est le coucher de soleil, c'est jamais le même coucher de soleil. Voilà. Jamais. Sur le rocher du Cap Omar et on a vu ce coucher de soleil et puis évidemment cette plage, on avait une vue panoramique en fait surtout Boucan et on a vu à ce moment là une petite queue. Évidemment, un grand jet, un grand splash. Ça, c'est absolument quelque chose à voir parce que c'est l'une des plus belles plages en fait de La Réunion. Un doigt, tu préfères quoi? Le lagon. Ah, je préfère aller évidemment voir les souffleurs à Saint-Leu et le gouffre de l'étang Salé. Ça, c'est quelque chose à voir absolument. Mmh. Du coup, on n'a pas fait les souffleurs à Saint-Leu. On n'a pas fait les souffleurs. Non. Moi, je l'ai vu, mais toi, tu l'as pas vu. Non. Mais le gouffre était bon. Voilà. C'est sûr que si la mer n'est pas déchaînée, la curiosité naturelle ne fait pas son effet. Oh
C'est trop beau. Waouh. Oh non. Regarde. Oh ma mère, c'est trop beau. Donc toi, ton préféré, c'était quoi déjà? De toutes mes sorties? Ouais. Il y en avait plein. Je sais pas ce que ça veut dire. Bientôt va cracher. Je sais pas. Il y en avait plein. Il y a plein de choses. En fait, j'ai été émerveillée. En fait. C'est beau, tu vois. Hein. Qu'est-ce qui t'a plu? Elle va bien bientôt. Donc du coup, en fait, j'ai pas eu de préférence. Que chaque chose que je regardais, c'était magnifique. Pardon, il fallait que je le fasse. Putain, j'arrête parce que... Voilà, et pour finir, Langevin. T'as bien aimé Langevin? Ouais. La rivière. La rivière Langevin, ouais. C'était beau. Se tient, ouais. Et qui fait avec son gap, son bac, ah oui, et la chute, la cascade, voilà. Ah bah on reviendra avec Mamie Béa, se baigner. Oui, moi, pour ce... Donc ça c'est un des points à faire incontournable. Oui. Donc parlons de cette route de la mort. Pas du tout. Mais il n'y avait rien de mortel. Non, c'est un petit trou, deux passerelles, oui, deux passerelles. Et une montée à 26%. Oui. Quand même. Ouais, 26%, c'est énorme. Bon, non, c'était très bien, la route était très bien. En tout cas, pour la partie 2, vous allez avoir des surprises comme le piton de la Fournaise, la vanirée, etc. On ne peut pas tout faire, ce n'est pas possible. En 3 semaines, c'est pas possible. Il faut rester 2 mois, j'ai essayé de demander ça à mon patron, il n'y a pas. Donc du coup, ce que je vous invite à faire, c'est tout simplement appuyer déjà sur la cloche de notification pour ne pas louper la prochaine vidéo qui va sortir, donc la partie 2. Et bah du coup, l'arrivée est égale à la partie 2, le départ évidemment, donc pas tout de suite là. Donc du coup, t'es dégoûté de partir ou quoi? Complètement, ouais. Et toi? Non, ça va. Et toi, ça va? Et bien écoute, moi ça va, mais toi, est-ce que ça va? Ah. Mmh. Et quand t'es rentré, d'accord. Et la route, tout ça, parce que j'ai vu qu'il a plu après. Ouais. Et après, ça a fait une sacrée chute. Une sacrée chute. J'ai plu et après, après, il y a eu, on est allé à Saint-Léon. Donc, on va en Lyon. On a la chute.